Wayou, c'est Gunshu de la Famous Team. Aujourd'hui, je suis un Space Ingénieur. Je voulais faire ça depuis pas mal de temps. Un petit gameplay. Enfin, plutôt let's play, on va dire, dans ce jeu. Et voilà, j'y suis. Parce que j'ai d'autres projets en tête et j'ai pas eu trop le temps. Vu que je suis un peu sur haut. Donc voilà. Juste une petite annonce sur WoW, on va avec l'équipe FMS Man for Use, on va faire les vidéos des raids normalement, donc on va faire cela. Voilà. Là, revenons à nos moutons, c'est Space Engineer. Là, je suis le petit soldat, enfin, un petit cosmonaute tenu bleu. Et mon but c'est de survivre sur ces petits cailloux. Voici l'épisode 1 de mon petite épopée. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, tiens, on va reprendre ça. Salut. Voilà, un petit jackpack allumé. Hop là, jackpack. Allez. Alors, dans ce caillou, j'ai pu trouver quelques ingrédients du style essentiel pour mon vaisseau. On va appuyer sur le cap pour ouvrir. Vous voyez là, il y a ce que j'ai pu ramasser. C'est vraiment ça. Là, c'est uniquement l'uranium. L'uranium, c'est un élément essentiel de la survie dans l'espace. Là, je ramasse. Au départ, on n'a pas grand chose en uranium, du moins la partie que j'ai utilisée. Donc voilà. Alors, ça ramasse. Je ramasse un peu d'argent en cherchant et du platinum. Là, je pense que j'en ai assez, j'ai 14 unités, 14 kg. Je sais pas combien ça correspond dans mon vaisseau. Alors, 22 h sans bouger, comme ça. Après, il faut savoir que si ça, la raffinerie plus l'assembleur, ça pense de l'énergie. Médical, avec un besoin médical pour survivre, vu que l'énergie en bas gauche pour le stream, c'est important de savoir qu'il faut en faire pas mal là. Sinon à 0 c'est logique. Donc hop là, je vais passer en métal, ce qu'il faut du fer. Le 7, je sais pas si vous avez joué, mais bon, je vous dis quand même. Alors, normalement, vous appuyez sur G, et là, vos anti-armes sont mis là. Donc, après, ça va juste à glisser et le mettre là, dans la barre des tâches. Aussi pour créer les objets. Donc, moi, en fait, je vais faire une nouvelle station. Donc, ça va mettre un bloc. Et ce bloc, j'ai plus qu'à trouver où je peux le placer en fait. Alors, je sais pas vraiment où faire la base, mais dans l'espace, c'est pas utile.
faut t'accrocher quand même. Faudra poser sur une surface. Je vais essayer de creuser un trou. J'ai dit. Je sais pas. À voir. Je suis en mode survie. Et... Bon, après en inventaire n'est pas réaliste. Je suis où, désolé. Si on peut pas tout emporter, c'est chiant. Du moins, ça fait de passerelles. J'ai déjà perdu dans l'espace. Bon. Ça c'est production à ça. C'est un peu important d'en avoir pour l'instant. Vu les fabrications qu'il y a pour les gros générateurs d'alimentation. Tac.
Terre pas con. Voilà. De métal. Alors, pour dire c'est un mode créatif donc c'est assez réaliste donc la soute c'est chiant, il faut le faire. Jeu de farmer à l'instar comme dans Minecraft je pense. Quel survivant notre énergie. Bon, comme je suis pas loin du vaisseau, jusqu'à 20% d'énergie, je pense que ça suffit amplement pour retourner dans le vaisseau et monter dedans. J'en crawle un peu de temps devant moi. Et voilà, on n'a plus de plaques. Donc voilà, déjà je peux commencer. Je sais pas. Faut voir qu'est-ce qu'il me faut pour. Mon petit ce côté sera plus judicieux hein. Bloc, ce qui sert à faire une sorte de liaison entre vaisseaux.
Ok. Donc silicium, cobalt, je peux jouer. Nickel, j'en ai. L'argent, c'est facile à trouver. Ok, bon, on fera ça. Si t'appuies sur T, on se ramasse en fait. Donc si j'en ai marre de faire un par un, si t'appuies sur T, pour miner, pour arrêter de miner, ou pour aller autour de vous, en fait, T. Après, un petit bug de. Un méchant. Actualités du jeu. Normalement, je sais pas si vous voyez la petite sorte de bouche qui est ici. Donc voilà, il faut l'activer quand on est dans le vaisseau. Sinon, ça marche pas. Donc là, vous le mettez au-dessus, vous faites cave, dans terre, et vous faites ça. Et normalement, ça rentre dedans, ça communique avec la. L'assembleur et la fonderie, ça fond et ça, ouais, directement ça assemble s'il y a les. Oui. Je sais pas si. Non. Oui, bah. Il n'y a pas de gravité. Heureusement qu'il n'y a pas de bestiole, hein. Sur un caillou qui t'attaque. Un peu comme à la Star Trek.
Star Wars. Stargate ? Il y avait beaucoup de stars. Hein. Après, ma vie remonte graduellement grâce à l'énergie contenue dans ma combinaison, mais c'est hard. J'ai dû peut-être prendre trop de ressources dans la gueule en fait. Et de l'or. Et si sûr. Ok, ça va être hard ça. Comment est-ce que. Il faut quoi déjà. Ça je suis. Un détecteur de mine. Ah non, il faut une. Ah non, quoi que pour un petit. Ah ouais, c'est un gros vaisseau.
fait. Ah. Je crois qu'il y a là. Ah, il y a un trou là, je crois. Sinon, il n'y a pas trop. En fait, une grosse météorite. On dira un sort de pain de viande. Que faire? Celui-là. J'ai pu récupérer ce que j'ai pu, mais pas pour un bout que je m'intéresse. Alors. Petit vaisseau. Moi, ce que je t'ai besoin, c'est le petit vaisseau. Je suis sur les morts, je ne sais pas. Mais je sais pas où j'habite. Vu que j'ai pas de balise. Je vais pas trop parler dans ce jeu, c'est qu'il y a pas vraiment d'action, juste une découverte en survie. Et des fois,
je parle à haute voix, désolé. C'est dans des items, outils, objets qui pourraient nous aspirer les machins. Franchement, ça c'est vraiment une bonne idée. Trouver un truc pour aspirer tous les météorites qu'on mine. Bon, y a déjà l'option sur les gros vaisseaux, mais les petits vaisseaux qu'on mine, mais quand on mine manuel, ça serait très utile là. Donc là il faut passer sur T, faire des couvents. Voilà, quand on geste horizontal pour ramasser tout ça. Armes des vaisseaux marchent bien. Je vous dis évitez de nous attaquer. Sinon, grave. Parce que rigole pas, hein. Les vaisseaux transport font très mal. Je montrerai ça dans une prochaine vidéo quand j'aurai ma base. On va dire assez bien loti. Ce sera tout pour l'épisode 1, on va dire
épilogue de mon aventure sur Space Engineer. Donc voilà, puis bye bye, à plus tard.